Ok, bon. Bah, on va dire que c'est bon. Ah, le son du jeu est peut-être un peu fort. Oui. Oui. Tac. Tac. Hop. Bah on va continuer la partie, hein. Alors j'espère juste que c'est pas trop fort. Rejoindre le pont du navire marchand portugais. Du navire portugais. Je suis un formateur de templiers. Alors je me rappelle plus des touches. D'accord. Ça, je me rappelle, c'est le sifflement. Pire, hein, j'y vais comme ça, hein. Va tranquille. Allez, d'accord. Ah d'accord, ok. Utilisez les rideaux de bambou comme cachette pour vous cacher derrière eux. Ok. Pouvez vous faire remarquer, demeurez immobile lorsque des gardes sont à proximité. Ok.
忘了照顾我。 随时保持警戒，而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会罩你，你也别忘了罩我。要你更加谨慎小心啊！刺客组织真的回来了吗？随时保持警戒，而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会罩你，你也别忘了罩我。 Ok, je suis obligé de les tuer. Bon. Y'a personne. Facile. Oh le bâtard. Facile. Facile. Bon, ce choix c'est infiltration quand même. J'ai pas moyen, j'étais obligé de les tuer les deux là-haut. Je sais qu'il est disparu. Y'a quoi là-bas? Oh. Pas exactement ce que je voulais faire, mais... I need to get his attention elsewhere. Pas vraiment ce que je voulais faire, mais... Ah mais il y a un morceau d'Animus là. Ah ok, je peux me mettre comme ça. Ah il me voit ? Bon bah écoute hein...
On passera pour la discrétion, mais en même temps, ils sont hard ceux-là. Ok, alors attends. Ici, il y a des trucs. Je peux pas aller de l'autre côté. Non, d'accord, ok. Tranquille. Ah, il y a des mines là par contre. Je peux monter là? Ah oui. Parfait. Il y a un plongeoir. Hein? Quoi? Ah. Moi, je suis sur un bateau, quoi. Je peux sauter? Ah, ceux de la foi. Trop bien. Ah bah. Parfait ça. Je peux pas aller là, ok. Ah! Ok. Ah, ok. Ah putain, puis je recommence là en plus. Ah, c'est terrible. C'est pas grave, hein. Faut qu'à refaire ça, c'est pas grave, c'est pas... Ah du coup ça les a pris, ça les... j'ai pu aller reprendre, ok. Ce combo. Ah, oh, mais il y a un morceau d'animus là. Tac. C'était tranquille. Volley of strikes in a single attack.
You can do better, Shao. Let's go again. Good. Keep going. You've got it. Now let's deal with enemies that block your attacks. Use a standard attack against the enemy with a shield. Try again. Enemies with shields will repel standard attacks. Use a heavy attack to degrade the enemy's defenses. Good. Keep going and destroy his shield. Good. Keep going. Excellent. Now finish the job and kill him. Remember, you can also roll over an enemy to bypass his defenses. Ok. Alors attendez. On va faire un truc. Je reviens. Attendez. C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est ça. Dans quelques minutes. Ah d'ailleurs, il prend pas tout l'écran mon truc. Non mais putain, mais je comprends pas pourquoi ça me fait des trucs comme ça par contre. Hein. Transformer et tirer. Voilà, parfait. A tout de suite. Yes, en plus j'ai arrêté le streaming comme un débilos. Bon, c'est pas grave. Je suis de retour. Tac. Je suis de retour. Ok, donc. Personne. D'accord, j'ai compris, il fallait que j'aille sur le truc en bas. J'avais pas compris. Je pensais que je pouvais me cacher dans le cercueil, mais je peux pas en fait. Ah oui d'accord, puis je peux passer là en plus. Et du coup aller tuer lui. Mais du coup j'ai pas intérêt, j'ai pas d'intérêt à briser son bouclier en fait. Bon, je vais attendre qu'ils reviennent. Attends, il y avait pas un pote avec moi ici. Eh ben non. Hop là. Et le piou piou. Ah. Ah mais le piou piou, il est chiant le piou piou. Si je passe au dessus, tout va bien. Ah d'accord, ok. Ok.
Merde. Faux, c'est pas moi. Oh le bâtard. Non, abusé. En fait, je voulais casser le cadavre, mais ça servait à rien. Genre. Quoi? Ça c'est abusé par contre. J'étais sorti de l'alerte? Il était même plus sur ses gardes en théorie. Ah, terrible désillusion. Au pire, je vais attendre qu'il tourne la tête, hein. Ça sera plus simple. Hein. Et il s'échange? Non. Ouais, non. Ok. Il me voit d'où en fait? Il me voit loin ou pas? Ah oui, d'accord. Bon, bah finalement, c'était facile en fait. Ah oui, je pouvais passer en bas. Je suis con en fait. Ah, mais j'avais pas vu aussi. Ça tourne quoi? Ah, qui a levé le pont? Oula. C'est personne, les gars. Ok, je peux me mettre là, je savais pas. Je suis un mongol. Bon, ça va. Salut les Ibicos. Eh ben écoute, moi ça va bien et toi? T'as jamais connu Assassin's Creed? Eh ben écoute, c'est c'est des Assassin's Creed qui sont pas très connus en fait. C'était une partie de la licence qui se concentre beaucoup en fait sur la sur les plateformes et vraiment la discrétion, etc. C'est pas un monde ouvert quoi. C'est pas un monde ouvert. Mais c'est ce qui fait que le jeu est intéressant. What the fuck? Ok. J'ai commencé le jeu il y a un petit bout de temps maintenant. Il est sympathique. En fait, ce soir, je voulais jouer à Assassin's Creed Valhalla. Mais par contre, Jean-Alfred, là, t'arrêtes de regarder vers le bas, là. D'accord, il veut pas. Je voulais jouer à Assassin's Creed Valhalla, mais je pensais l'avoir installé. Mais apparemment, non. Du coup, bah... Oh, attends, il y a un truc là-bas, non? Peut-être. Non. Je l'avais déjà installé puisque je l'avais déjà testé, mais je ne sais pas sur quel disque dur je l'ai installé, donc tant pis. Ce sera Assassin's Creed Chronicle China. Je peux monter direct, non? Ouais.
Et en haut, il y a un mec, non? Il y en a un. Ah, puis il y a un piou-piou en plus. Je déteste les piou-piou. Non, mais sinon, on va faire ça. Hein. Et... Non! Oh! J'ai eu peur. Genre, il s'est retourné, genre, en mode... Abusé. Ouais, bah ça change, c'est différent, c'est pas... Après, comme j'ai pas fait Valhalla, j'aurais bien aimé le faire... Là aussi, mais bon. On verra une prochaine fois. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Je peux passer par en dessous, là. C'est ça? Non? Je peux pas passer par en dessous, là? Si. Ok. Mais tu vois, celui-là, c'est plus... C'est plus un jeu de réflexion, de... De plateforme, etc. Merde. Tac. Et les assassinats sont vraiment stylés sur ce jeu, pour le coup. Où je dois aller maintenant? Attends, j'avais pas du tout besoin de monter là, c'est ça? Qu'on est en train de me dire. Ah oui, d'accord, je pouvais juste descendre là. Ah. Bah, je l'ai tué du coup. Tant pis. Assassin bronze. Ah, terrible. Je me suis fait détecter trop de fois. D'accord. Putain. Y'a personne. Ouais, y'a du monde ici. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est un leurre oui. Mais ça c'est ça qu'il me faut. Le problème c'est que est-ce que j'ai la range pour étourdir les trois? Non. Ok, donc faut que j'attende que l'autre parte loin. Y'a personne. Ah quoi, il appelle des renforts en plus? Non. Non, il appelle personne. Il est nul. Ah, c'est vrai que j'aurais pu me mettre en dessous. Non, y'a personne. Il peut monter? Non. Oui, mais y'avait personne, frérot, t'inquiète. Ah, le petit bâtard. Ah, il me feinte, hein. Il me feinte, l'enfoiré. Tiens. Et mange tes dents, maintenant. Voilà. Oh, salut, toi. Comment vas-tu? Je pense que tu devrais un peu regarder derrière toi quand même, hein, parce que... Voilà quoi. Oh, il y a un truc là.
Ah, je pouvais passer par là aussi. D'accord. Ouais, je dois aller où là? D'accord. Bon, on va avancer par là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de monter là-bas derrière? J'ai pas l'impression. Pourquoi je peux pas y aller? Non, je pense pas que ce soit là. Ah, peut-être, je peux peut-être aller sur le bateau là, non? Non. Mais je pense que je suis au bon endroit aussi, mais... Comment je vais là, en fait? Ah, il n'y a pas un truc genre avec ça. Ah, attends. Ah si, je sais. C'est pour ça qu'il y a des couteaux. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des couteaux en fait. C'est pour ça qu'ils donnent des couteaux en fait. C'est parce qu'en fait faut les utiliser pour couper les cornes. C'est pour ça qu'elles sont en surbrillance. J'avais pas compris. Ouais. Faut réfléchir un peu plus quoi. Ouais. Salut. ok. Alors du coup ici on fait quoi? Ah mais il y avait un morceau d'animus là-bas. Attends, attends, parce que je peux peut-être y aller là-bas, du coup. Il n'y avait pas une corde à casser là-bas aussi? Attends, attends. Je vais retourner vite fait là-bas. C'était pas en surbrillance ça? Parce que là avait un morceau d'animus, peut-être que je peux peut-être y aller après, je sais pas. C'est bizarre. On verra après. Tant pis au pire, hein, je referai le niveau. Je referai le niveau plus tard. Je vois rien en face qui me puisse de permettre. Parce qu'en fait, comment je pourrais monter là-haut? Je peux monter là-haut? Il y a peut-être moyen que je puisse monter là-haut en vrai. Parce que là il y a un truc pour faire un saut de la foi et du coup ça veut dire que je peux monter là-haut. Et comment je monte là-haut?
À part ici. Voilà. Oh shit. J'avais pas vu. Oh. En plus, il y a son pote qui arrive. Non, non. Personne. Y'a personne. Hop, attendez. Si j'ai oublié de faire un truc, c'est ceci. Voilà. Tac. C'est bon. Mais non, y'a personne. T'inquiète. Ils ont pas vu, regarde. Il y a le cadavre de leur pote qui est là, mais ils s'en foutent un peu. Ne relâche pas ton attention. Il y a un moment où... Personne. Bon, ok, il y avait quelqu'un. Ok, bon. C'était pas... J'ai pas fait mon meilleur score là, hein, parce que je sais que... Tranquille, on recommence, ça va se faire. Et en fait, ces Assassin's Creed là, si tu veux, ils sont vachement intéressants parce que ils rajoutent du lore au Assassin's Creed de base. Tranquille, c'est passé. En plus, il y a un truc là, il y a un coffre. Comment je fais pour y accéder? Comment je fais pour accéder au coffre? Ah, attends, je peux pas faire une glissade. Ah, ou ça s'ouvre peut-être plus tard. Alors, le truc là, c'est qu'il y a un pigeon. Et les pigeons, c'est pas bien les pigeons. Ça fait du bruit quand on est à côté d'eux. Le problème, c'est qu'ils sont deux là-bas et deux au-dessus. Oh, le pigeon, il va me saouler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de. Détourner le pigeon, peut-être ça. Ouais, non, ça fait rien, ça. Sûrement un oiseau. Bah oui. Personne, les gars, personne. On va tuer celui au bouclier.
c'est le plus chiant. Et celui avec l'arbalète, on va le taper. Voilà. C'est mon seul moyen de passer là, parce que... À part avec les pétards éventuellement, mais... Alors ouais, par contre, eux... bah si, il y a juste le pétard. Ouais, mais faut d'abord que je tue celui du... D'abord que je tue lui, hein. Le mec il regarde en l'air. Le mec il était en train de regarder en l'air tranquillement. Eh ben c'était chaud. Attends, comment je monte là par contre? Parce qu'il me faut le morceau d'animus quand même. Comment je monte? Ah oui d'accord, sur le côté là. Ah mais je pouvais passer sur le côté par contre. Ah je suis pas très doué quand même hein. Il a... Je sais pas, il regardait le plafond. Bah écoute, il était penseur. Il était pensif hein, écoute, c'est la vie. Ça arrive. Hop, il me faut ce morceau d'animus. Voilà, parfait. On va monter comme ça du coup. Bon ça c'est pas trop dur à tuer. Ok. J'ai clean cet endroit. J'ai clean cet endroit. Ah il y a le coffre encore en bas. Mais comment j'accède au coffre par contre? Oh shit. Peut-être pas une bonne idée ça. Hein. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue quand même. Hein. Pas se cacher. Comment j'accède au coffre? Est-ce que si je saute là... Ah peut-être en tournant la manivelle là. Non d'accord, la manivelle ça me fait juste le raccourciquer là. Ok mais alors attends, comment j'ai accès au coffre? Je crois qu'il y a un truc avec les glissades. Faut que je me rappelle... Je fais des sauts de cabri. À gauche, je pouvais monter? T'es sûr? Attends, je vais regarder vite fait, mais... Où il y avait la manivelle? Ah, t'as raison. T'as raison. Bon bah je vais remonter. Je peux pas remonter. Ah ils veulent pas que je remonte. D'accord. Bon bah comme ça c'est vite vu. Voilà. Comme ça je peux pas remonter donc. T'as raison, c'était de l'autre côté. Je suis juste pas doué en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais t'as raison. Bien vu. Bien vu, bien vu. Alors il y a des trucs. Les jonques. Moi je lirai ça plus tard. À la fin du jeu. ok allons par là du coup hein. On était parti par là à la base. Ok. Bonjour monsieur. C'est tout?
Ah d'accord, donc c'est... Je suis venu juste ici pour ça. Ok, bon bah écoute. Au moins c'est fait. Au moins c'est fait. C'est comme ça pour le 100% du jeu. Non. Sinon ça va, au fait, le son de ma voix, il est... Non mais vraiment là. Non mais vraiment, il y a un moment, faut pas chasser l'opticien, je ne sais pas, mais... C'est bon pour le son de ma voix. Nickel. Parce que j'avais des... Oh... Tu vois ce que je vois là en dessous? C'est un morceau d'animus, ça. Et comme on y va par derrière, sûrement... Ouais. N'importe quoi. Bonjour. Ah, j'aurais dû avancer. Mais il y a l'autre là-haut qui est chiant là. Il y a un créneau là, je crois. Ah, il y a même un deuxième créneau en fait. J'aurais même pu aller jusqu'au deuxième, je pense. Oh, j'étais pas sûr. Ah, mais écoute, hein, ça c'est. Les pros de la discrétion. Hein. Ah merde, il m'a vu. Ouais, mais après, vu qu'il est un peu con et qu'il sait pas descendre un étage, ça va être vite vu, hein. Alors, le gros souci là, c'est... Comment je vais en haut? Faut que je descende, j'imagine. Ah, et du coup, faut que je passe absolument par là en fait. Ah, je pouvais passer aussi devant. Bon, je vais passer par là déjà. Il passe derrière les rideaux ou pas? Oui, je pense que oui. Oui. Est-ce qu'il me voit derrière le rideau avant de passer ou pas? Je pense pas. Hein. Non, il me voit pas jusqu'à ce qu'il passe. Merde. Quoi, pardon? J'étais derrière le rideau, tu m'as pas vu, frérot. Ah, tant pis, hein, écoute, hein, moi je sais me battre aussi. Hein.
Qui a toujours lui avec son arbalète là. Ok. Je passe par là et... Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Bon, on va le tuer, hein. Parce que quand je vais lever le pont, de toute façon, il va vouloir me taper, donc... Ah! Peut-être pas dû lever le pont. Je sais pas. Oh là. Ok. Pourquoi je pouvais pas tout simplement passer? Ah, ça a ouvert la porte en même temps? Aucune idée. Mais non, mais... Corps découvert. PTDR. Sans blague. Bah on se bat hein les gars, moi... Ah oui d'accord, ok. Par contre toi je te bats pas avec ta... ton arbalète là. Ah mais il m'a repéré de loin celui-là, c'est pas le même mec que tout à l'heure, quand j'étais juste devant son nez, il me voyait pas. Hein. Bah si on te trouve, bah écoute... Regarde, tu veux me trouver? Et bim! Alors? Qui cherche trouve mon ami? Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Je trouve les décors vraiment magnifiques, hein, par contre. Bah, c'était facile. Je me suis un peu fait pulvériser, hein, quand même. Bah voilà. 10 sur 14 fragments d'animus. Ah merde. J'en ai loupé. Par contre, j'ai eu les deux coffres. Et j'ai eu le point de synchronisation. Voilà. Barre de santé de Chao Jun augmentée d'un point supplémentaire. Sous un surplomb, appuyez sur RB pour vous hisser. Ah. Ok. Attends, je cache ma... Il y avait une cinématique.